Je vais vous demander, M. Bozon, est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision ou des commentaires à faire sur ce qu'a pu dire M. Cato? J'ai été intéressé de voir une question qui se pose un peu de la même manière, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de mobilisation des conservateurs dans les périodes les plus récentes, alors qu'on croyait qu'il y avait une tendance à la progression de l'égalité qui paraissait comme normale, un long fleuve tranquille. Bien, ça n'est pas du tout le cas. Il y a des mobilisations des conservateurs qui s'opposent à ce qu'ils voient comme des mises en cause de la famille, la théorie du genre, hein, qui apparemment pourrait très bien venir au Japon, puisqu'on comprendrait. Hein, bon. Donc voilà un élément commun qui est très intéressant, qui montre qu'on vit bien dans le même contexte. Mais il y a des éléments différents, et c'est peut-être là-dessus que j'aurais peut-être des commentaires ou des questions à faire. Moi, j'ai dit que ce qui caractérisait l'évolution de la sexualité, en premier lieu, c'était un déclin de l'identification au couple marié, à la procréation, à la période de la procréation, et à l'hétérosexualité. Et bon, ce que je constate, c'est que apparemment, il n'y a pas d'augmentation de l'activité sexuelle aux âges avancés au Japon, alors qu'il y en a une en France, et qu'il tend à y avoir moins d'activité sexuelle pendant la jeunesse. Donc, plus concentré sur la période de procréation des femmes, même si on n'a pas beaucoup d'enfants au Japon, c'est un taux de fécondité faible, plus proche de celui de l'Italie que de celui de la France, hein, bon, donc un taux bas. Voilà, il n'y a pas d'augmentation de l'activité sexuelle à d'autres âges que l'âge adulte. Bon, donc c'est une question aussi. Et puis, il n'y a pas de diversification des formes de relations, des formes d'union. En France, il y a aussi des unions entre personnes qui ne vivent pas ensemble. Également, c'est quelque chose qui existe et qui devient plus répandu. Donc, il y a des tas de manières d'être en relation autres que le mariage. Et il semble qu'ici, le mariage est une sorte de monopole. Hein, bon, donc, est-ce que ça n'est pas une des explications, ce monopole du mariage, à cette difficulté à entrer dans la sexualité ? À commencer à avoir des rapports sexuels, parce que le fait que les jeunes aient moins de rapports sexuels, moi je le traduirais d'une autre manière, en ayant aussi, disons, une formation de démographe, c'est que l'âge à l'entrée dans la sexualité est devenu plus tardif chez les jeunes Japonais, alors qu'il était devenu plus précoce. Depuis 2005, il est devenu plus tardif. Et j'ai essayé de calculer, d'après votre enquête, ça serait un âge moyen de près de 20 ans pour les garçons et plutôt de 21 ans pour les filles, ce qui est un âge très tardif au niveau international, hein, pour des débuts sexuels. Alors, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est lié aux difficultés sociales de l'autonomie des jeunes ? Voilà, c'est ma question. C'est-à-dire que la sexualité, c'est aussi une forme d'autonomie. Entrer dans une vie sexuelle, c'est commencer à devenir autonome à l'égard de sa propre famille. Et les difficultés d'avoir une autonomie pour des jeunes, alors une autonomie, par exemple, dans la résidence, vivre de façon autonome, ou avoir une autonomie en ayant un travail et en gagnant de l'argent. Une autonomie qui est de plus en plus tardive fait que la sexualité est aussi de plus en plus tardive. C'était une de mes explications qui allait, moins chercher donc dans la psychologie d'herbivores ou de qui sont des concepts un petit peu difficiles à comprendre pour des Français. Donc voilà, c'est une de mes questions. La seconde, ça serait sur les relations entre les personnes de même sexe. Est-ce que il y a un débat, une revendication entre les homosexuels, les gays et les lesbiens, d'avoir des formes de reconnaissance de leur union actuellement? Les débats sur ces questions ont toujours des effets sur l'ensemble de la société. Et c'est une chose importante. Ça ne concerne pas que les homosexuels. Ça produit toujours des effets sur l'ensemble de la société, la manière dont la sexualité est vécue. Donc, monopole du mariage, oui ou non, et son rapport avec le retard à la sexualité. Autonomie des jeunes, oui ou non, et son rapport avec le retard à la sexualité. Et puis ensuite, donc, revendication homosexuelle, oui ou non, et son impact sur les évolutions plus générales de la société. Juste un petit point. Vous avez dit, et je crois que c'est mal passé dans la traduction, le Japon et l'Italie se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Oui, le Japon et l'Italie, quand, non pas des sociologues, les sociologues font peu de comparaisons comme ça, mais quand les démographes analyse tous les indicateurs de population de ces pays-là, ils s'aperçoivent que le Japon et l'Italie sont très proches. Je peux en prendre quelques-uns. L'importance du mariage. En Italie, il n'y a presque pas d'union libre, comme en France. Et il n'y a pas de mariage homosexuel. Il n'y a jamais eu aucune revendication là-dessus. C'est pas bon. La fécondité est très basse dans les deux pays. Par ailleurs, les jeunes vivent très longtemps chez leurs parents, également dans les deux pays. Voilà quelques exemples, mais je pourrais en trouver d'autres. Or, l'Italie et la France étaient très proches jusque vers 1960. Et ensuite, ils se sont séparés complètement. Et je dirais que l'Italie et le Japon, en réalité, quand on veut chercher un pays très proche, c'est plutôt celui-là qu'on va chercher en général. Oui. ボゾン先生からの、コメントあるいはご質問いただいて、それらは私もですね、むしろ日本とフランスを比較したときに目立つ、共通点や違いということで私も考えていたことですので、本当はそのまま逆に質問を開始してどう思われますかと、聞きたいようなことがほとんどでした、ですので私としてはその全部に答えるということはできないんですけれども、お話しくださった中でいくつか思いついたことだけ少し言いたいと思います。ですね、日本におけるいわゆる少子化、出生率の低下がその性行動の不活発さとどれほど関係があるかということ、これは関係がないということはないと思いますが、ですね、一般的な議論によればむしろ別のその社会的な環境の変化というのが大きい影響があると考える方が多い、そういう人の方が多いのではないかと思います。それはボゾン先生が若者が自立独立することができないっていうことを、そういうファクターを指摘されましたが、むしろそういった方に近いと思います。つまり日本における少子化というのは結婚年齢が遅れること、また、最近ではそもそも結婚率がだんだん下がってきていることと関係すると。でなぜ結婚しないのかというと、それは、もちろん、そういったことを望まないという層もじわじわ増えているかもしれませんが、経済的な環境が悪化してきた、特にですね、雇用環境が悪化してきたということが、私の考えでは一番大きいわけです。この20年間に劇的にドラスティックに変化したことの一つ、日本社会においてドラスティックに変化したことの一つは、特に若年層の雇用環境、とりわけ、男女ともですね、男女ともに雇用環境の悪化で、いわゆる非正規雇用が占める割合が圧倒的に増えました。で、これは20年ぐらい前までは、もうすでに女性のパートタイム労働という形で、非正規雇用は増えてはいたんですけれども、この20年間には若年層で、日本では大学を卒業した、人たちが一斉に4月に同時期に就職するわけですけれども、この若年層において最初から非正規雇用にしかつけないといった層が劇的に増えています。そうしたことから将来の見通しが全く立たない、結婚して子供を持って暮らしていける自信がないといったことが、低就業率に結びついている最大のファクターであると私は思いますので、むしろその性的な意欲の減退、性行動の、低調化といったことは果たして原因なのか、むしろ私はそれは因果関係の中では結果なのではないかという気もしております。この辺については様々な議論があります。それからですね、性と生殖が分離したということ、生殖を目指さない性が活発になったということは日本の戦後においても基本的には同じで、こうした大きな流れは、フランスや日本のようないわゆる先進国においてはそれほど違いはない共通点であるかなと思いました。しかし大きな違いは日本においてはですね、生殖と結婚が分離していないことであると。これはほぼ全ての研究者が一致して認めるのではないかと思います。というか、社会常識的に誰もがそうだと分かることだと思います。つまり日本においては法律的な結婚をしていないカップルが子供を作るということに対するタブーが極めて強いという現状が今もあります。ですから、規範の具体的な在り方は多少変わってきていますので、先ほど触れた妊娠先行型結婚のようにですね、妊娠が先に立つということはありますが、その場合はとにかく結婚します。で、その場合の結婚という意味は、いわゆる戸籍を入れるという政府に登録する届け出を出すということで、必ずしも一緒に住んでいなくてもこの政府に届け出るという証拠が非常に法律上の手続きが日本では重視されています。もともと日本における結婚というのは、その明治政府がですね、法律婚の制度を整えるまでは、周囲のその村落でありコミュニティがある男女が結婚したということを認めて受け入れるということがもともとだったんですが、現在ではですね、共同生活をしているという事実よりも、むしろ戸籍を入れる、入籍するという言い方がありますけど、入籍したかどうかということが正当なカップル関係であるかどうかの証拠にとして捉えられている。で、これは若い世代においてもあまり関係がありません。で、これはなぜなのかっていうのは大きい問題で、ここで私があんまりいい加減な答えを言うと、多分フロアにお越しの専門家の方々から怒られると思いますので言いませんが、そういう現状がある、という、これは日本社会に特有の問題かもしれません。その他、そうですね。Alors on va essayer de prendre trois questions par exemple, et puis chacun des intervenants pourra répondre à sa guise. Voilà. 少子化との関連というのは今日の主要なテーマではないかもしれませんが、最後に加藤先生がその少子化の理由として、やはり経済的な理由が大きいんじゃないかというふうにおっしゃったんですが、その点はフランスにおいてはむしろ もっと若年層の経済的な不安定さっていうのはもっと厳しいのではないかと思います。ですからその違いが出ているのは、最後におっしゃったその生殖と結婚が分離してないっていうところがむしろもっと大きいんじゃないかと思いまして、それで加藤先生が自分の考えはあるけどおっしゃらないっておっしゃったのをぜひおっしゃっていただきたいというのが私の質問です。今日の話はフランスと日本をですね、比較するなんですけども、私はずっとフランスと日本と比較してきたんですけど、フランスと日本を比較する場合、気をつけなきゃいけないのは、フランスというのは社会的にはですね、世界で先進的に進んでるんだけども、経済面で比較するとですね、経済の制度とかですね、まあ、ドイツとかあるいは日本とそう違わないところがあるんですね。ですからフランスの場合にその社会生活と日本のこういったこの結婚だとかセックスの問題を比較した場合ですね、非常に差があるようですけども、実際ですね、その経済生活については制度についてはあまり変わらないという、どちらかというとフランスはドイツとかですね、ドイツに近いわけですね。そういうなんかそこら辺の区別をつけないと、なんかこのなんか日本がですね、非常にフランスと離れているようですけども、案外その他の面から見ると日本とフランスは経済面から見るとですね、必要にいい雇用がですね足りないとかですね、まあ、例えばスウェーデンとかアメリカなんかとちょっと違うところがあるというようなことがあるんで、そこら辺のところを気をつけた方がいいんじゃないかと僕は思うんですけども。ボゾン先生が女性の平等化が進んできて、生涯ただ一人の人ではなくて複数の男性と、親密な関係を結べるようになってきたというふうにおっしゃっていたんですけれども、同時にいわゆる不倫とかですね、同時に複数の人と付き合うということが可能になってきたのでしょうかという質問があります。なぜかというと、先ほどの加藤先生の、お出しになったデータの中で婚姻とそのセックスが結びついているというふうに、言ったんですが、それは規範的なことであって、日本の、夫婦関係というのは約 30% から半数が結婚外の人と生殖関係を持つというデータがもう10年ぐらい前に、都市部の調査で出てるんですね。でそうすると、その結婚外のセックスは実はしてるんだけどしてないと規範的には答えるという傾向があり、なんていうんですか、単純に装飾家とかって言ってましたけれども、夫婦関係でセックスしてますかっていうといいえなんだけど、そうじゃないとこではイエスなんですね。だからちょっとなんていうかな、ただその表面的な話だけではちょっとなんかちょっと納得できないなということでご質問いたしました。Alors, merci de nous rappeler combien les questions des enquêtes dirigent les résultats et combien on pourrait se tromper en faisant complètement confiance en se poser la question du protocole ou des mots choisis. Peut-être, Monsieur Kato, vous voulez commenter cette idée que entre couples, on fait donc il y a très peu de relations sexuelles, mais que finalement chacun au Japon vivrait une vie sexuelle épanouie, en tout cas pour au moins 50% de la population.はい、3つ目のご質問なんですけれども、ちょっとうまくお話の中でお伝えできなかったかもしれないんですが、私婚姻と性が結びついているということは強調しておりません。それはちょっと誤解ではないでしょうか。婚姻と生殖が結びついているということは先ほど言いましたけれども、中高年の調査についてもですね、独身者夫婦間の性交渉が非常に減ってきている傾向にありますけど、それ以外の性交渉というのは必ずしもそうでもないということを示唆することはありましたので、別に異論は特にございません。で、質問に対するお答えとしては、1つ目のご質問にお答えしないといけないかと思うんですが、なるべく簡潔に言いますと、私フランスの労働状況、雇用状況について詳しくありませんので、間違っているかもしれませんが、仮にですね、同じような経済的厳しさや非正規化ということがあったとしても、その他の諸条件が違えばやはり、その効果も違うのではないかと思います。その日本においては労働をめぐる、労働上の待遇をめぐる男女間のジェンダー間の不平等というのは根強くありまして、女性の年齢別労働力のグラフが有名な M 字型を描くということがまだ残っている数少ない先進国の一つです。つまり、子育て期にあたる女性は退職しているという傾向があり、これはフランスにはないことですね。そういったジェンダー不平等ないしジェンダー役割というのが、あってですね、女性が働いていてもパートタイマーであるということをもともと自分たち自身も選ぶ、あるいは選ばざるを得ないと、二面性がありますが、そういうこともありました。そうするとブレッドウィーナーが男性一人であるというのは非常に不安定な状況、経済がうまくいかなくなると非常に不安定な状況ですので、仮にですね、その労働環境の悪化が日仏で共通しているとしても、それがその人々を結婚、そして子供を持つことに対して躊躇させる効果というのは、その日本の方が大きいのかなという気がします。それから生殖と結婚が結合していて、婚外子が非常に少ないし、差別も強い、タブー視されるということがなぜなのか、これはまあ私自身の大きいテーマでもありまして、まだ本当は分からないということを先ほどのような言い方でごまかしただけですので、それを告白しておきますが、そもそも結婚が国家に届け出ることになったというのは一体何なのか。キリスト教圏の国々においては結婚というのは、今単純化して言えば宗教的な儀式であるという、神が男女を結びつけるという面があったのではないかと思います。日本においては男女を結びつけ結婚をさせる神はおりません。それに変わったのが明治国家です。国家が神の代わりをしたと言えると、それに、日本人は取り込まれて来てしまった。そしてその国家が認めない結婚というものを非常にタブー視するようになってしまった。これはまあ日本における国家と市民社会の関係といった非常に大きい問題に結びつくことで、今きれいにお答えすることはできません。これからも研究をして自分なりに考えてみたいと思います。ご質問ありがとうございました。Donc, pour reprendre la troisième question, il y avait cette idée, est-ce que finalement l'égalité croissante et la libéralisation est allée de pair avec le fait qu'une femme ait plusieurs partenaires, y compris quand elle est mariée? C'était un des aspects de la troisième question. Mais vous voulez sans doute faire un commentaire plus général? Oui, je répondrai à cet aspect, mais je voulais dire que c'était toujours difficile de comparer plusieurs pays. Je crois que la dame qui a posé la première question a raison de dire que les conditions de l'emploi sont très difficiles en France, particulièrement pour les jeunes, et que normalement, il ne devrait pas avoir une autonomie sociale et personnelle très tôt dans leur vie. Parce que cette situation est difficile. Mais quand on fait une comparaison, il faut tenir compte aussi des politiques qui sont menées par les gouvernements, et la France est connue pour ce qu'on appelle les politiques familiales. C'est-à-dire les politiques qui favorisent l'arrivée des enfants. Par exemple, l'école maternelle gratuite, l'existence de crèches très nombreuses, mais aussi des allocations aux familles, et notamment lorsqu'une femme est seule avec un enfant. Donc il y a toute une série d'éléments de politique qui font que avoir un enfant est reconnu socialement, quel que soit le statut de la femme, qu'elle soit mariée ou non, c'est reconnu socialement et ça donne véritablement un statut social. Donc ça n'est pas quelque chose qui fait peur. En revanche, se marier, oui, ça fait peur. Et pour ça, on ne se marie pas, tout simplement. C'est-à-dire que les jeunes n'hésitent pas à se mettre à vivre en couple, mais vivre en couple, c'est quelque chose de plus léger. Ça peut se faire simplement en décidant de louer un logement ensemble et on se met à vivre ensemble, mais il n'y a pas à célébrer un mariage. Ce qui fait que ça se fait de moins en moins et qu'on a des enfants sans être mariés, puisque de toute façon, on est aidé. On a eu une aide sociale et politique quand on a des enfants. Ce n'est pas le mariage qui donne droit à être aidé. C'est pas... Alors, par ailleurs, les femmes continuent à travailler après avoir eu des enfants. C'est pas, y a pas la tendance à avoir un travail à mi-temps dès qu'on a eu des enfants. Elle continue à travailler, c'est pas, elle reste dans le même type de carrière. Bon. Alors, une autre... voilà, je crois qu'il faut introduire les politiques qui sont menées par les gouvernements, et cette politique, elle est très ancienne en France, la politique de soutien aux familles. Ça a modifié les attitudes mentales et psychologiques à l'égard des enfants. Et en revanche, l'image du mariage est devenue assez négative. Hein, c'est pas quelque chose qui est considéré comme très important pour entrer dans la vie. Hein, c'est pas bon. Alors maintenant sur la liberté sexuelle des femmes, bien sûr il y a des femmes qui ont d'autres partenaires en étant mariées. Ça a toujours été le cas, mais je dirais que l'essentiel de ce qui fait ce qu'on peut appeler l'élargissement de l'expérience sexuelle des femmes. Je ne vais pas dire la liberté, je vais dire l'élargissement de l'expérience sexuelle des femmes, c'est qu'elles peuvent avoir plusieurs partenaires dans leur jeunesse avant d'être en couple, elles peuvent avoir des expériences sexuelles sans penser au couple. Ensuite, lorsqu'elles se séparent, ce qui est une expérience fréquente, eh bien, elles ont des expériences sexuelles après s'être séparées, alors même peut-être qu'elles vivent avec leurs enfants. Donc, et c'est quelque chose qui a changé par rapport aux années 50, où quand une femme se séparait, eh bien, elle n'avait plus tellement de vie sexuelle. Mais là, ça continue. Et puis, le troisième élément, c'est le fait d'avoir une vie sexuelle à des âges plus avancés, après 50 ans, 60 ans, qui est devenu quelque chose d'attendu, qui n'est pas du tout anormal et qui, socialement, est respecté. Donc, ce sont tous ces éléments qui ont fait que le nombre de partenaires sexuels que les femmes ont dans leur vie a augmenté, et pas parce que... et se sont mis à avoir des comportements d'infidélité.